Je vais, mais je sais pas où je vais, hein. Bon, s'il y a une musique qui fait un peu trop boîte de nuit, vous n'hésitez pas à me dire, hein, que je l'enlève de la playlist, quoi. Salut Sandrez. Ok. Et oui, ça faisait longtemps qu'il y a eu ça. Hein. C'est plaisir d'y revenir. Merci Taloudren encore, hein, pour le 8ème mois. Et tout petit Lu tout à l'heure. Pour le 9ème mois. Ah ! Comment on se regarde ? Je sais plus. Ok, ok. Oh putain, il est dans l'eau. Oh là là, merde. Oh la merde. Ok, ce sera le premier de cette apparition puisqu'il était tout à gauche et on compte de gauche à droite dans ce jeu. Putain, il est là. Oh là là, la merde. Oh, il va fuir toutes les demi secondes, ça va être un enfer. Alors attendez. Alors attendez, c'est lequel? Ok, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah non, mais je suis pas eux. Eux, ils foncent. Ok, tout va bien en fait. Attends, attends, attends. Attends. Ok, ok. Non, eux, ils foncent, tout va bien. Viens là. Hein? Ça marche pas. Ah! Ah! Attends. Comment on saute dans ce jeu de con, putain, là? Oh merde. Voilà, voilà. Énorme. Putain. Ok, lui. Oh, cette rencontre qui a failli mal tourner parce que bah j'ai pas joué à Arceus depuis genre 2 mois YouTube. Et du coup, voilà, on a eu la sortie des karatés violets. Et depuis tout ce temps-là, j'avais pas trop joué à ce jeu. Et évidemment, parmi les Pokémon qui me manquent, il a fallu que je tombe sur un Pokémon dans l'eau. Mais ça va, c'est un Pokémon qui ne fuit pas, contrairement à Bangotua qu'on avait galéré à capturer à cause de ça. Ça devrait bien se passer, j'y crois à mort. Je vais commencer par tabasser du coup le Coolfish de droite. Mais en fait, j'ai rien de juste neutre en fait sur eux. Allez, on va taper en voilà, normal. Ah si, ça c'est neutre, ok, parfait. Damoclès. Et tout va bien, c'est pas le shiny lui, hein. C'est pas le shiny, tout va bien. Faut juste pas que l'autre fasse explosion et on sera bon. Si l'autre fait pas explosion, c'est bon. Ok, voilà, on est débarrassé du non shiny. Très bien. Hydroqueue, c'est très très bien ça, c'est parfait. C'est parfait. Là la question c'est, est-ce que je tente de l'affaiblir quoi? En vrai bof, hein. Comment on fait bordel? Oui, comme ça. Dans quel bol on le met? Je vais mettre dans une gigamasse bol, de toute façon y a pas mille choix quoi. Y a pas mille choix. Allez. Jure. Jure, c'est passé. Oh, let's go. On se retrouve avec Kazar. Alors, pourquoi Kazar? Parce qu'on avait appelé le Quillfish Pétard, parce qu'il avait un P au niveau de la queue. Alors, on pensait que c'était un P, mais c'était un Q minuscule. Ici, on a un Q majuscule. Donc voilà, j'ai voulu garder la particule, donc P pour Quillfish et Q pour Quillpic. Et on l'a appelé Kazar, puisque les Kazars, voilà, c'est les trous noirs supermassifs qu'on a au centre des galaxies qui finissent un jour, dans très 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 longtemps, par péter. Et donc, la deuxième partie du prénom, Hazard, puisque Hazard en anglais veut dire voilà toxique, nocif, donc ça collait plutôt bien à ce Pokémon. Et donc, paf, le tout collé, Kazar. Nickel. Après cette longue explication de surnom, au niveau des attaques, on n'a rien de particulier sur ce Pokémon, bien sûr. On a 2 GV en PV, mais encore une fois, les GV, on s'en fout un petit peu. On a 1 GV en défense, 1 GV en vitesse. Les GV peuvent être montés à 10, peu importe de où il démarre. Donc, encore une fois, ça a très peu d'importance. Il est brave de nature, ça augmente l'attaque, ça baisse la vitesse. C'est pas une nature qu'on a envie d'avoir sur ce Pokémon-là, donc dommage. Tu sais déjà tout sur Kazar, ce Quillpic Shiny qu'on a obtenu en 322 rencontres, hein, puisque finalement c'était le deuxième dans l'apparition qu'on avait rencontré. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qui se passera bientôt. Rejoins-nous sur Twitch et les réseaux sociaux, les liens sont évidemment en description. On se retrouve très vite, d'ici là, prends soin de toi, au revoir et des bisous.